Katie Holmes, maman d'une adolescente, a été critique pour son look récent, quelques semaines après s'être séparée de son petit ami, âgé de 10 ans de moins qu'elle. La raison présumée de leur separation a été révélée. Pourtant, Katie est toujours très occupée à être la mère d'une adolescente, Suri, après que son ex-mari Tom Cruise ait choisi de ne pas voir sa fille pendant des années. La raison présumée de cette décision a été révélée. Katie Holmes est la maman d'une fille nommée Suri Cruise, qu'elle a eue avec son ex-mari et acteur, Tom Cruise. Le 11 janvier 2023, l'actrice a été vue à New York. Un compte Twitter a partagé deux images jetées de la star vêtue d'un ensemble oversize. Katie Holmes portait un pantalon d'or aux pattes extrêmement larges, une grosse veste noire qui semblait faite de cuir et des talons argentés. Katie Holmes devant Good Morning America le 11 janvier 2023, à New York. Source. Getty Images. La personne qui a posté les images pensait que l'actrice n'était absolument pas jeûnée et qu'elle s'était habillée mieux que quiconque lors des Golden Globes de cette année-là. De plus, Holmes, 44 ans en 2023, semblait également arborer un piercing au nez. Une personne n'était pas d'accord avec l'avis de l'auteur de la publication sur le look de la star. L'internaute estime que l'actrice avait l'air horrible, tandis qu'un autre a tweeté une autre photo du look et a demandé ce que l'actrice avait fait à son styliste. Une personne ayant répondu au tweet de la deuxième publication a déclaré que la rupture de Holmes l'a touchée fortement, d'où son look. Le même internaute a également demandé quand la mère de Suri avait commencé à porter un piercing au nez. Une autre personne s'est moque du look de la star en demandant si elle portait les vêtements de son ex-petite amie. Le piercing sur le nez semble avoir commencé à apparaître il y a un certain temps, avec un post Twitter de novembre 2022 où elle arborait, et un commentaire d'un adepte déclarant « Le piercing au nez de Katie Holmes est aussi incongru pour moi que la boucle d'oreille de Harrison Ford, plus ou moins Katie Holmes à l'extérieur après avoir quitté l'émission Good Morning America. » Le source. Getty Image. Le 13 janvier 2023, W Magazine a partagé un article sur Facebook à propos de Katie Holmes portant un pantalon à pattes larges le même jour. Une autre personne qui n'était pas impressionnée par le style de l'actrice pensait qu'elle s'habillait bêtement. L'ex-petite amie mentionne était plus jeune que Madame Holmes, et ils ne sont pas sortis ensemble très longtemps. Cependant, ils étaient si sérieux sur leur relation que l'actrice aurait rencontré ses parents. En avril 2022, Bobby Houghton III, alors âgé de 33 ans, et Holmes, alors âgé de 43 ans, ont déclenché des rumeurs de romance lorsqu'ils ont été vus se tenant la main et s'embrassant à New York. Le mois suivant, ils ont fait leur début sur le tapis rouge en tant que couple lors du gala du 25e anniversaire de DeMotte. Bobby Houghton III et Katie Holmes au gala du 25e anniversaire du Mod Ball le 26 mai 2022 à New York. Getty Image. Houghton III a déclaré qu'il était heureux d'avoir l'actrice comme cavalier à l'événement. Quelques semaines plus tard, la star de First Daughter et le musicien se sont rendus ensemble à la première de son film Alone Together au festival du film de Tribeca. Le couple s'est tenu la main et a souri en descendant le tapis rouge. En juin, il a été révélé que le couple avait franchi une nouvelle étape dans sa relation lorsque l'actrice de Coda a assisté en tant qu'invite au mariage d'un ami proche de Bobby Houghton III dans les Hamptons. Bobby Houghton III et Katie Holmes à la première de Alone Together au Festival Tribeca le 14 juin 2022 à New York. Source. Getty Images. Holmes aurait rencontré la famille du musicien à cet endroit, et il l'aurait apprécié. Un témoin oculaire a dit clair que la star était très proche de tout le monde, qu'elle était discrète et qu'elle prenait des photos de son petit ami qui servait de garçon d'honneur.
Le couple aurait donné aux gens de nombreuses demonstrations publiques d'affection lors de la réception. La source affirme qu'à chaque fois que le duo se retrouvait, ils étaient heureux et s'embrassaient, ajoutant, Cathy et Bobby étaient très affectueux l'un envers l'autre à tout moment. Ils avaient l'air très amoureux et ne se souciaient pas de qui les voyait, plus ou moins en juillet, Holmes et Houghton III semblaient progresser dans leur relation en se promenant à New York lors de multiples sorties. Heureusement, après seulement 8 mois de relation, il a été révélé que le couple s'était séparé. En décembre 2022, une source a révélé que Holmes et son petit ami, de 10 ans son cadet, avaient rompu. Un proche affirme que l'actrice ne parlait plus de Houghton III avec ses amis, avec la source qui ajoute « C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre sur le long terme. » En dehors de ses relations amoureuses, Holmes n'était pas seulement occupé à être une actrice, mais aussi à être une mère pour sa fille adolescente. La façon dont elle élevait Suri n'était pas la même que celle de son ex-mari. En août 2014, Cathy Holmes a parlé de l'amour qu'elle portait à Suri, déclarant qu'elle n'avait pas conscience de la quantité d'amour qu'elle avait en elle et que c'était écrasant. Elle a dit que chaque jour, elle découvrait quelque chose de plus sur la fille qu'elle a eu à materner. La mimane, l'actrice avoue, mon principal objectif est de lui faire savoir à quel point je l'aime. Lui faire savoir qu'elle est tellement aimée. On sait que si qu'était la ligne de conduite, qui se soucierait de savoir si ses deux premiers crêpes étaient toujours brûlées. À propos de la cuisine, en 2016, Holmes a déclaré qu'elle était un solide 7 et a révélé qu'elle préparait le petit déjeuner pour qu'il puisse commencer la journée calmement. Suri avait ses plats préférés pour le petit déjeuner, sa mère admettant qu'elle n'avait pas de tactique pour les enfants gourmands. Cathy Holmes et sa fille Suri cruisent lors de la première de And the Heights au Festival de Tribeca le 9 juin 2021 à New York. Getty Image la star a expliqué qu'elle faisait des choses qu'elle savait que sa fille aimerait et qu'elle n'introduisait quelque chose de nouveau que de temps en temps. La star de Dawson's Creek a expliqué que la maternité était le travail qu'elle trouvait le plus épanouissant. En 2017, Holmes a déclaré que sa fille était la personne la plus importante pour elle et que son éducation était primordiale. Elle estimait qu'il était crucial qu'elle soit présente et que Suri, qui aura 16 ans en 2023, est une enfance innocente et stable. Cathy Holmes et Suri Cruise vu dans l'UP Westside le 22 juillet 2019, à New York. Getty Image l'actrice se sentait bénie de faire ce qu'elle faisait et estimait qu'il n'y avait rien de mieux que de voir son enfant réussir. En 2019, la star a également révélé qu'elle et sa fille avaient leur propre routine de fitness. Cathy Holmes s'entraînait parfois avec sa fille, et, de temps en temps, leur routine se chevauchait. Cependant, elle n'a jamais poussé sa fille à faire de l'exercice avec elle parce qu'elle ne voulait pas l'embarrasser et qu'elle savait que c'était une image boiteuse. Tom Cruise et Suri Cruise quittent le Chelsea Pier le 17 juillet 2012 à New York. Getty Image la façon dont l'actrice a élevé Suri était très différente de Tom, avec qui elle a été mariée pendant 6 ans avant de se séparer en 2012. En 2018, il a été révélé que l'acteur de Mission Impossible pouvait voir sa fille 10 jours par mois, mais choisissait de ne pas le faire. Une source a déclaré qu'il s'agissait de l'accord de garde, qui a été réglé 11 jours après le dépôt du divorce. Tom et Holmes s'étaient entendus, mais il ne l'a pas entretenu parce que sa fille n'était pas scientologue. Surpris lorsque Holmes a demandé le divorce, n'a pas été photographié avec sa fille depuis 2013. Tony Ortega, un critique de la scientologie, a noté que Holmes a probablement signé un accord de non-divulgation selon lequel elle ne parlerait pas négativement de la religion pour obtenir la garde principale. Ortega pense que l'actrice voulait simplement s'en éloigner avec Suri. Tom aurait payé plus de $33 000 par mois en pension alimentaire, et en 2019, une source affirme qu'il aimait toujours Suri.
nostalgue que l'acteur n'a jamais eu l'intention de s'éloigner de sa fille alors qu'il avait une famille avec Holmes et qu'il espérait réparer leur relation un jour. Abonnez-vous à Momama sur Google News.